Alliance Rwanda Kabongo, Jekam Télévision, Jera Kabia Chou Apostolic Ministries. Les Airbnb Mono Beni, moi na Congo, il est mon capitaine en Ragnan Tiko, une ville, Toko, Kimwasan. Le Kabongo, le 9 décembre 2020, jour pour jour, jour prévu pour Nakoyoka, discours d'annonce, discours de vitesse, mon côté d'Amboka, Félix Antoine, Chilombo, Tisekedi.
Rosana Siras Nayo. Ba émission que Batasonas Bazo contrôlé par silence à Mituka. Yo Mutorobaki que Rosana Rasiras Nayo. Okomi Konuka Banzela. Histoire, il y a patresse parlementaire. Ok, c'est la maman, 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 si. Il est fait, c'est vivant. La députée Nabisso va continuer l'histoire. Dengue Moko, il y a patresse parlementaire. C'est la même chose na bande kokoy. Bakanisa teke biso toza bana mike bakoya kozo pouvoir niti babomisa ki carton ya biscuit pas moko. Il ne peut se vivre.
sabinote que abombe si pouvoir et pas fachi beton lobby a kozwa ba koze la tina retour à Jésus. Chaîne de télévision Nyonso. Bazako Finga, secrétaire général de l'IDPS, net bazan en compétition. Bamoussous Malobio, Oyo, Azako Trahir, Fachi Beton. Mais Nana Outina Fachi na opposition, na Trahir y était. Si vous avez besoin d'être comme une signature, mercenaires na ba chaîne de télévision nyonso balingi ba lobisanga makambo oyo ngana lobaki te malgré wana babandi kofinga balobi ayebi ko communiquer te soki na communiquer kama be pona nini eswa kabino balobi boye o kabuya aza ko trahir chef de l'état. Chef de l'État. Hey. Mais tant qu'on a la quitte, il n'y a pas qui était. À la route, on a trahir, il n'y a pas la signature pour trahir. Si on y a la signature, on a trahir pour tout le monde. Il ne peut pas se vivre. Il y a un mot, on a 5 ans, on a un peu de vie, on a du progrès. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en ce jour du 23 octobre 2020, je m'adresse à vous, souverains primaires, dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation politique que connaît notre pays. Ce contexte de fragilité de notre pays, de même que les résultats électoraux de janvier 2019, nous ont forcés à élargir nos rassemblements pour nous unir au-delà de nos familles politiques traditionnelles. Cet effort de recomposition a touché aussi bien le pouvoir sortant que l'ancienne opposition, ce qui a conduit à une situation inédite où des adversaires farouches d'hier sont devenus des alliés. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ses différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de 2 ans après, les divergences qui persistent entre les partis signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la Commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État de droit, qui sont un enjeu majeur pour notre nation. L'importance de ces questions me convainc qu'elles ne doivent être laissées à la merci d'un seul groupe politique. Elles nécessitent un large consensus national. Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après.
Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe, construire la démocratie, organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels, renforcer l'état de droit, bâtir nos infrastructures, assurer la santé à nos populations, garantir l'éducation de nos enfants, donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès, animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prédation en toute impunité. À ce propos, je salue l'effort d'abnégation de ceux qui, dans tous les camps, se sont démarqués de ces antivaleurs. Mes chers compatriotes, l'état de droit que nous voulons vient d'être conforté par la prestation de serment de 3 juges constitutionnels, ce qui désormais assure à cette juridiction un fonctionnement régulier. Mes chers compatriotes, la restauration de l'état de droit dans notre pays n'est pas un leurre, mais le fruit d'une volonté politique, du reste coulée dans un programme de gouvernement tel qu'adopté par le Parlement. Il demeure vrai que sa mise en œuvre énerve certains nostalgiques, habitués à l'impunité et au traitement de faveur. Ceci étant, le partage des valeurs liées à l'état de droit et à la justice constitue la condition sine qua non de tout partenariat aux actions de mon mandat. Retarde ou affaiblisse la réalisation du programme pour lequel vous m'avez élu. En tant que chef de l'État, représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, j'assure par mon arbitrage, en vertu de l'article 69 de la Constitution, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation, leurs opinions, à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Debout, Congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bien, fue permitido yo porque no tuvo un negocio. Abandonó la guayé.
Je me disais, parce que dans les...